Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le partage de messages audio avec nos chers envolés. J'ai eu pas mal de messages. J'ai partagé une toute petite vidéo sur Instagram d'une expérimentation de radio que je partagerai pas sur YouTube. Et bien entendu, vous pouvez me rejoindre sur la plateforme Patreon où je partage beaucoup de choses avec les membres. D'ailleurs, on travaille avec Lao pour savoir comment établir des contacts plus nets. On leur pose pas mal de questions et on a pas mal de réponses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous savez que c'est un petit abonnement. Je crois que les 7$ c'est équivalent à 5€ et les 20$ c'est équivalent à 14€. Vous payez pour le mois complet et vous pouvez vous rétracter à tout moment. C'est parti, je vais vous partager donc les messages que j'ai pu obtenir lors de ma séance. Donc en pleine séance, j'ai des envolés qui me demandent de les aider. Donc le message est « aide-nous ». Je réponds « oui » et je leur demande s'ils ont besoin d'aide. « Aide-nous ». « Oui ? Vous voulez que je vous aide ?»« Aide-nous ». « Oui ? Vous voulez que je vous aide ? » Voilà pourquoi je dis souvent qu'il est important quand vous établissez un contact de vous présenter et surtout de bien dire que vous êtes TCiste. Moi maintenant c'est ce que je fais, ils me connaissent hein, depuis le temps. Je leur dis je suis Stéphanie, je pratique le contact et je vous invite à vous manifester pour parler, laisser des messages. Parce que parfois on a des âmes qui sont un petit peu perdues et elles ne savent pas où elles sont. Ça peut être des âmes qui sont montées mais qui sont perdues ou qui sont encore en bas, qui ne trouvent pas la lumière. Donc c'est vraiment important de leur répondre et surtout à la fin, de faire une prière. Moi, en tout cas, je pratique comme ça pour leur expliquer qu'il est important de rejoindre la lumière et puis de les guider jusqu'à celle-ci. Le message est « Steph, on est où ?» Steph, on est où ? Steph, on est où ? Alors, là, le message, si je voulais, je ne vous le partageais pas, mais moi, j'ai rien à cacher. Les défunts me disent « c'était triste », on dirait. Effectivement, quand j'ai fait la séance, on était le 23 juin, c'était l'anniversaire de mon papa. Quand je fais mes séances, bien entendu, je médite, je me vide la tête, mais dans le subconscient et dans le cœur, je ne peux pas mentir. Donc forcément, ils l'ont ressenti, mais moi, j'étais bien quand j'ai fait la séance. Mais ils savent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc le message est « t'es triste, on dirait ». Je pense qu'on me parle d'une âme d'enfant, on me dit « Aurélie est sous le meuble ». Ah, ce message, je l'ai trouvé mignon. Alors le message est « c'est nous qui râlent, on sait ». Donc déjà, ils sont conscients que même là-haut, ils râlent. Donc le message est « c'est nous qui râlent, on sait ». Donc là, je transmets, c'est des messages qui peuvent parler peut-être à quelqu'un. Le message est « LJ, son homme est pas là ». Mais il y a deux fois « est pas là » à la fin du message. Toujours pareil, je transmets, si ça peut parler, on nous dit « Jérémy et Tommy ». On nous dit le prénom « Marlène ». Alors, ils me disent « Steph, on est là », au cas où je ne le sache pas. Mais généralement, quand on me dit « Steph, on est là » et aussi net, c'est que ce sont des guides ou des âmes qui sont assez hautes. Alors lui m'a fait sourire. On me dit Steph, Steph, j'ai besoin d'homme. Alors comme je dis parfois, on parle à des âmes qui sont très très hautes. Et là on me dit t'es humaine, pas nous. Bien entendu, ça peut vouloir dire aussi
que moi je suis humaine parce que je suis vivante et que eux, ce sont des âmes parce qu'ils sont décédés. Hein. On peut prendre les deux en compte. Alors moi, j'ai posé des questions, j'ai demandé, parce que je parle tout le temps d'une autre dimension. Donc je voulais qu'ils m'expliquent comment ils nous voient. Voici les deux messages que j'ai pu obtenir par rapport à ma question. Quand je dis souvent qu'on ouvre des portes, bah c'est comme ça qu'ils nous voient. Le message est « Vous êtes derrière la porte ». Le second message, on nous dit qu'on est la nuit. Message, vous êtes la nuit. Alors que peut-être pour eux, c'est ainsi qu'ils nous voient. Hein, parce que eux, c'est des âmes, elles sont peut-être lumineuses. Et que nous, on n'est pas lumineux parce qu'on est sur Terre. Je ne sais pas encore, je n'ai pas eu toutes les réponses. Mais en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Donc le message est, vous êtes la nuit. J'ai demandé quel support ils aimeraient avoir par rapport à tout ce que j'ai. Ben, ils aiment bien la télé. Donc on me dit te répondre la télé. Voilà, c'est tout pour cette séance. Comme vous pouvez le voir, j'ai des réponses à mes questions. On avance avec eux sur la plateforme, puisque chaque semaine, j'ouvre un poste et les membres posent des questions pour qu'on puisse avancer. Très prochainement, il y aura des lives sur la plateforme en direct pour prendre contact avec leurs envolés. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Sinon, bah, restez sur YouTube et de temps en temps, je poserai une vidéo, mais je ne poserai pas les travaux qu'on fait avec nos membres. Voilà, je vous embrasse. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des messages. Et je vous dis à très bientôt.